Dieu promet de pluie. Pluie en hébreu a une racine qui veut dire littéralement semer, planter, jeter la semence. La première pluie a permis à ce que la terre soit amoncelée, préparée pour recevoir la semence. Et l'église est née avec cette pluie. La semence a été plantée. La dernière pluie, le mot traduit par pluie dans ce passage de Deutéronome 11, veut dire épi ou encore la moisson. Donc Yeshua dit quoi? Avant l'enlèvement, beaucoup de gens vont recevoir la révélation de Yeshua, l'illumination de Yeshua, et ils vont être cueillis comme ça. En fait, l'enlèvement, c'est la cueillette. Les anges viendront cueillir les fruits de Galates 5:22 qui ont été arrosés par la pluie de l'arrière-saison, frères et sœurs. Alléluia! Il veut d'abord nous dire qu'avant son retour, une illumination particulière sera donnée à l'église véritable. Lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Jésus revient.